que dans la Bible, il écrit un côté que la Bible dit pour bailler un dixième dans salaire. Parce que les frères viennent l'allemand de chaque là, ils prennent tous un dixième dans salaire pour chaque mois, mandel côté la Bible dit, côté l'écrit. Côté la Bible dit pour bailler un dixième dans salaire chaque mois. Parce que la Bible dit chaque année, sous ça que champ rapporté, ça que semence ou semeyo rapporté pour lever la dîme là-dedans chaque année. La Bible pas dit chaque mois. Et il n'y a pas de compte prendre l'argent dans mes parce que tu as l'argent là, oui. Il n'y a pas prendre l'argent parce qu'il n'y a pas l'argent. Et deuxième bagage chez téléspectateur encore besoin qu'on ait, c'est mon des frères là, les mon fin lever la dîme là qui ça va elle. Mon des frères comme il pas pour vite téléphone pour reler tout. Bon, téléphone en panne pour le moment là, mais il pas pour ouvrir pour reler. Mais gon l'autre bagage besoin mandel. Frère, l'aime lever la dîme là ça pour me faire avec elle. Qui ça la Bible dit pour me faire avec elle. Et puis l'autre dit qui ça pour faire avec là et pas bouche libre l'ouvrir pour le doux ça pour le faire non c'est l'on pense non la pauvre Bible là a dit l'offre lever la dîme non pendant une année qui ça va faire avec elle parce que pas rien que condition moi nous pas rien condition moi n'est pas pas le doux à faire moi ça pas exister puisque c'est la dîme yo m'a dit yo collé dans la dîme parce que c'est une question de l'argent. C'est l'argent qui a un problème, il y a ça qui est collé dans le dîme. Non? Ça, la Bible dit femme pas de diriger, il n'y a pas respecté. Mais la dîme n'a pas existé, il y a collé sous lui, il y a défendu. On a demandé, mais l'homme qui levait dîme pendant une année à faire ça pour me faire ça, la Bible dit pour me faire avec. On a alors pour le garder à travers la Bible pour est-ce que la Bible dit pour le mener à un pasteur? Ou bien pour mener de l'autre enveloppe blanche. Pendant ce temps, la dîme, ce n'est pas l'argent lié. Alors qu'on a pris le est-ce que la Bible dit pour mettre une enveloppe blanche de toute façon tout ou pas qu'aller vite dans répondre roi de pour mettre une enveloppe comment la faire pour côté le passer pour l'entrer dans l'enveloppe là hein qu'on a l'offre de lever la dîme qui sont pas le faire est-ce qu'on mène le bail au monde selon la Bible est-ce que c'est pas manger ou manger dîme non et c'est pas parce que c'est manger dîme parce que dîme ou lever pendant une année et les arriver ou aller manger dîme c'est ça la parole de Dieu dit. Alors qu'on a parlé de comme ça que ouais bah 10% dans salon. Contre la Bible dit pour bah 10% dans salon. Qui texte qui dit? Contre l'écrit. Si ça m'a dit pas vrai, non car Dieu c'est fait qu'on c'est pas vrai. Comme pas un téléphone là pour nous aller, téléphone en panne. Mais c'est monter côté la demander contre la Bible dit. Parce que ça bon problème le score nèg la chita, la défendre la dîme soi-disant. C'est pas normal ça. Quoi défendre la dîme. Oh, la dîme c'est pas bailler au monde, c'est manger ou aller manger. Et pas oublier, la ligne dans Melchisedec Genèse 14. La ligne dans Hébreux 7, la ligne quoi Hébreux 7 l'a expliqué le bien. Très bien. Et Hébreux 7 la montre que yo paye la dîme pour la tribu de Lévi. C'est pour Lévi, Lévi yo paye dîme non. Mais qu'on a là attends, mandé monsieur ça au mettre cap précho pour payer la dîme. Mandé côté contribuer Lévi là. Est-ce que on a dit peut-être comité à tribu comité et congrégation avec Lévi. On oblige mandé contribuer Lévi. Parce que c'est pour tribuer Lévi entre de Lévi. Qu'on a mandé est-ce que Lévi qu'on a parce qu'on a si Lévi qu'on a oblige mandé sacrificateur. Qu'on a on va dire que ça yo monde ça mettre le temple existe. Qu'on a obligé de demander, monsieur, mais combien de fois par année ou à Jérusalem pour aller dépasser. Moun sa kap défendre, il y a beaucoup de pieds à Jérusalem, non? A là où tu dois manger dîme, non? Dans la maison de l'éternel. Il y a beaucoup de gens qui ont mis à Jérusalem, mais ils ont tout payé la dîme. Chaque mois. Quand Simdadou, et bon, peut-être que la Bible m'a dit chaque année, mais la Bible m'a dit chaque mois. Pour voir comment pour piller. Comme je dis, hier soir, je me suis dit, on fait capable de Maranatha, il faut prier pour mon yo, pour ne pas trop payer, pour ne pas payer la dîme. Frère, pas prier pour nom Seigneur Jésus-Christ à la porte. C'est l'argent. Pourquoi c'est l'argent nous? Frère, t'as dit, on prie pour l'église à chauffer. Parce que mon yo prêt, c'est pour construire tabernacle. Construire gros tabernacle, quand c'est tout le monde a péri dans le péché. Mais il n'y a pas oublié, pendant ce temps, nous arrivons dans un moment d'apostasie totale.
On les roule pour tout le monde, on cherche le présent de mon Dieu. Pour tout le monde, moi, j'ai supprimé quelques jours pour chercher le présent de mon Dieu, pour mettre au service de du Seigneur, pour connaître la parole. Mais tout le monde derrière l'argent. Priez pour ça, oui, pour le patron, pour payer, pour qu'on ait touché quel patron pour payer. Jésus qui parfois promesse l'argent, frère, pas moi. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne va pas quérir qui ça le dit. Matthieu 11, 12. Depuis sur le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Et Luc 16, le verset 16, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et dès lors, le royaume des cieux est annoncé. Et les hommes usent des violences pour y entrer. Mais franchement, si l'évangile est comme si nous avons oublié, sacré le Christ, il y a encore ce tabernacle, il y a valé bénédiction, même 12 poteaux, 12 colonnes, chacun de 1000 combien pour construire le tabernacle. Mais pourquoi nous ne pas garder un bout de poteau avec l'église, ou bien c'est nous que l'église là? C'est nous qui devons préparer, ou bien c'est un gros bout de bagaille pour nous construire, pour nous combler le fond tout de Babel? C'est nous pour nous préparer. C'est frère pour préparer. C'est soeur pour préparer. C'est péché pour nous détrôner dans l'assemblée, oui. Pour nous mettre Christ planté là-dedans, oui. Pour les crises, oui, nous tombons la sonne pour nous connaître, pour nous enlever, oui. T'en fini, oui. Gardez qui ça? Gardez un petit journal qui m'a là. Mene. Un petit journal. Gardez un petit journal ça pour nous. Parce que si tu es un frère là, tu as un petit zoom dans la photo ça exactement. Pour nous montrer, nous, ça m'a montré nous. Si technicien te ka fonti approche, ban non ti zoom. Souple, ici là nan photo sa koto wè gen ti amboase ya, ban mon ti zoom là dan. Koto wè gon amboase pou ton ti zoom là dan pou mwen pou téléspectateur yo wè parce que m gen impression que yo a dormi. Yo pa jam rann kote que yo bezwen préparer vi yo pou yo sauver, mais l'essentiel, yo a cherché ranger fatra la terre, ramasser pile fatra comme Jésus qui dit, entamer fatra côté trésor, c'est là qu'il y a ou à périr avec. Alors, chers téléspectateurs, vous regardez ici là, enfin, ici là, là, où est deux mondes, ça c'est un mariage, enfin, un festin, ou un garçon, yon femme. Femme nan ici là, chers téléspectateurs, c'est maman, jeune homme ça. Mene. Alors, par contre, peut-être, ça va faire nous mal. Parce que nous parlons de Dieu, nous pouvons ouvrir pour nous comprendre la plupart d'entre nous. Mais, montrez-nous ça peut-être pour nous faire un moment maintenant, à faire construire un tabernacle, à faire l'argent, la dîme. Maintenant, c'est une question de non-monde pour nous jurer. C'est une question de make sure que tout le monde, que l'Église a sanctifié. Make sure que tout le monde a attaché avec Christ. Make sure que nous dépouillons de tout Dieu étranger pour nous attacher avec Christ. Mais ici, là, ça c'est maman, oui. Jeune homme n'a gagné 23 ans. Alors, écriture là en bas là, si vous regardez écriture là en bas, écriture là dit, mère de 40 ans a décidé d'épouser son propre fils de 23 ans. Yon maman gen 40 ans, li décidé pour l'épouser propre petit garçon qui gagnait 23 ans. Alors, on va laisser photo maintenant, on va laisser zoom non maintenant, ça va? On va laisser Fonti partage avec nous pour nous expliquer qui ça journal l'a dit, journal ça sorti en Haïti. Qui ça le dit chez téléspectateurs? Parce que il y a des bagages, si nous pas tendre pour nous pas mettre accent chita pour nous réfléchir, nous étions dans tout débat bazar, on a péri et nous pas penser nous pas rentrer à Christ et pour ta mentir dans la gêne nous pas les droites. Tendez qui ça la parole de Dieu dit ici là. Il dit enfin dans journal là, surtout dans journal c'est journal là appelé. Au Zimbabwe le 6 septembre 2013, une mère de 40 ans a décidé d'épouser son propre fils de 23 ans, de qui elle est enceinte de 6 mois, chez téléspectateur. Maman enceinte 6 mois pour propre petit garçon qui sortit en dans ventre, qu'elle poussait, lui-même poussait l'enceinte des lits. Ou poussait propre petit garçon ou enceinte pour lui, c'est lui ou choisi comme mari ou. Apostasie de l'apostasie. Alors, chers téléspectateurs, est-ce que nous avons un moment pour nous consulter un tabernacle? Nous avons un moment pour nous dire que la Bible pas demandé, c'est des nous. Qui ça Jésus-Christ dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais il va pas de l'argent. Il va pas de belkaï. Il va pas de belkaï. Il va pas chercher belkaï. Il va pas de fatra la tête. Ou gen deux bagay pou fè. Royaume nan justice, point final, ou pa gagne.
Il va nous chercher l'autre nom. Il dit les autres choses viendront. Qui ça nous chercher? Royaume de la justice, ça? Deux. Royaume de justice, c'est ça qu'on doit chercher. Mais qui ça nous fait? Nous sortons ni royaume ni justice, parce que nous parlons de royaume, nous parlons de justice. Et nous ne parlons même pas contre ça. Vous rendez compte que vous refusez le royaume de Dieu? Hein? Vous rendez compte que vous refusez la justice de Dieu? Que nous partons des fatras à la tête? Attendez qui ça le dit? Cette femme zimbabwéenne de 40 ans, Betty Mbereko, veuve depuis 12 ans, a commencé à entretenir une relation depuis 3 ans avec son fils. Avec son fils Faraya Mbereko, âgé de 23 ans. Après avoir refusé d'épouser le frère cadet de son mari après le décès de ce dernier, comme levait la tradition, parce que Jean ou la Bible dit, faut si frère a mouru, faut l'autre frère après femme, non, de tout ça. Bon, en Afrique, c'est même bagaille là. Enceinte de 6 mois de son fils, dont elle se dit amoureuse de son propre fils, chers téléspectateurs, cette veuve qui attend à la fois son enfant et son petit enfant a décidé d'officialiser sa relation avec ce dernier en l'épousant. L'y épouser, propre petite qui se tient dans votre lit. Petit qui l'a nettoyé, retiré toilette, changé couchette là, c'est même lui-même qui vient marier. Devant le tribunal de son village qu'il avait convoqué pour avoir des explications sur cet inceste, la mère a affirmé avoir dépensé beaucoup d'argent pour scolariser toute seule son fils après la mort de son mari. Aussi, elle trouve légitime de le garder pour elle afin de profiter du fruit de ses efforts. Alors, mes paroles que Madame Saha lui répond, lui dit, « Je m'efforçais seule d'envoyer mon fils à l'école et personne ne m'a aidé. Maintenant, vous voyez que mon fils travaille et vous m'accusez de faire quelque chose de mal. Permettez-moi de profiter des produits de ma sueur. » A-t-elle déclaré au conseil de sage de son village situé entre Mwenezi et Masvingo au Zimbabwe. Quant au fils interrogé à son tour, il a déclaré, il vaut mieux faire connaître ce qui se passe parce que les gens doivent savoir que je suis l'auteur de la grossesse de ma mère pour ne pas qu'elle soit accusée d'inceste. Les sages du village qui ont désapprouvé cet acte entre la mère et le fils leur ont demandé de cesser toute relation ou de quitter le village. Les deux amants ont préféré de quitter le village. Alors, OK, nous avons une panne d'image, chers téléspectateurs. Alors, pas inquiétant, mais vous attendez nous. Depuis que de nous, c'est très bien. Même là, nous avons une panne d'image. OK? Alors, au lieu que maman coupe relation ça avec petit garçon là, il décide de quitter le village là. Parce que il pas voulu quitter relation avec propre petit qui sortit en dans vente là pour lui quitter le. Mais il préférait vivre avec propre petite li, il préférait habiter avec propre petite li, il pas décidé quitter relation. Alors, ça que nous pouvons regarder pour nous pouvons avancer, c'est ça nous avons dit ou nous t'a essayé faire ouais raison qui gagne chez les spectateurs. A fait kounia pour regarder pour avoir des monde qui présenter devant, sont question de l'argent. Tant fini, nous pas faire l'argent encore. Alors, nous allons entrer dans le texte pour entrer dans le sujet que nous avons traité là. Nous saluons la présence de notre frère bien-aimé, René Lui. Notre frère René Lui, qui est dans le studio. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons et dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous pouvons regarder, chers téléspectateurs, ouvrir Bibou avec nous. Après que nous finissons tout, bagaille ça y est. Ouvrir Bibou avec nous dans acte 2, acte chapitre 2, pour nous montrer qui ça qui gagne. Parce que maintenant, nous voyons que les hommes a couru pour fatra la terre. On a son question de l'argent, mais il a quitté crise derrière,
yo pas emparé de Christ, yo pas emparé de royaume non, yo pas emparé de justice de Dieu, mais yo emparé de tout ça que la terre produit pour yo pas enlever au dernier jour comme yo pas voulu enlever. Regardez qui ça le dit dans acte 2. Hein, dans acte 2 à partir de verset n'appli à partir de verset 41. Acte 2 à partir de verset 41. Mais ça le dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. N'a qu'à plus l'acheter. Les spectateurs nous prennent à analyser maintenant avec Bible qui dans mon nom. Regardez pour vous, à partir de verset 41. À partir de verset 41, moun qui acceptait parole Pierre, le juif de la Pentecôte, il a accepté baptisé au nom de Jésus-Christ. Notre disciple augmenté environ 3000. Pourquoi il dit environ 3000? Parce que tu as environ 120 dans la chambre haute lorsque le Saint-Esprit fait son apparition. Et environ 120, ça, qu'on a vu 2880 environ le jour de la Pentecôte qui acceptait baptisé au nom de Jésus-Christ, qui augmentait sur 120, qui fait 3000 environ. Là, nous arrivons dans le verset 42. Après le baptême, comme Jésus-Christ disait dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, et enseignez-leur. Parce que premièrement, nous trouvons le baptême, et deuxième lieu, nous trouvons enseignement. Alors, pour l'église à cap solide, rester dans la parole, il y a besoin d'enseigner, demeurer dans l'enseignement. Dans la communion fraternelle, fraction du pain, dans les prières. Parce que c'est indispensable pour vous. C'est indispensable parce que vous demeurez dans la parole, dans l'enseignement, dans la prière. Dans le verset 43, puisque l'église. Parce que gon problème, c'est que moun yo dit, mais. Enfin, il y a moun qui arrive et dit que miracle apôtre qu'on fait, yo pas qu'a fait maintenant. Mais c'est normal pour yo pas fait maintenant. Est-ce qu'on applique la parole? Jésus-Christ clair dans Jean 15, dans ça dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais est-ce qu'on applique la parole? Ou pas demeurer dans la parole? Qui te crise d'ailleurs, besoin de faire ça, Christ mandé? Christ pas dans ou besoin de faire ça, Christ mandé? Non? Qui ça? Ils ont passé dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et dans les prières. Et qu'est-ce qui s'est passé? La crainte, parce que quand on est enseigné de la parole, de la vérité, on découvre le mystère de la parole. On découvre Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est ça la découverte. Persévérer dans l'enseignement, c'est apprendre à connaître qui est Jésus-Christ. L'enseignement, c'est la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine, c'est l'enseignement qui est basé sur Christ. Lorsque vous venez contre Christ, comment vous vivre dans l'enseignement? La crainte emparée de vous, parce que vous contre Christ. Voilà pourquoi dans Romains 10, le verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou pas qu'à gagner la foi sans qu'on parle contre Christ, sans qu'on parle contre la parole. Alors là, la crainte emparée de vous, des miracles et des prodiges faits par les mains des apôtres. Mais maintenant qu'ils ont gagné, nous n'avons pas qu'à être un Chanel, qui a eu gants, qui n'a madame monde, qui n'a péché, qui n'a toutes sortes de choses. Au besoin de ça, on peut faire miracle, qui esprit a fait. Et quand font miracle, il a fait le mensonger. Parce que pas selon la parole, parce qu'on a violé la loi, parce que Satan pendant le savoir, il faut montrer qu'il là. Il faut porter signe Satan sur vous. On a obligé de faire pour nous voir que ce n'est pas Christ qui est sorti. Hein? Dans le verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Qu'on a chrétien, pas de temps pour chercher Christ. Alors, c'est ça, on a besoin sur le fondement des apôtres. Parce que pas de monde qui applique le fondement. Il n'y a pas soumettre au fondement des apôtres. C'est là, par contre, si nous, on a saqué Christ au fondement. Au début de l'église primitive. C'est que tous,
tous ceux qui croient étaient dans le même lieu. Mais dans le même lieu, ça a fait. Ils avaient tout en commun. Parce que verset 40 dit dans l'enseignement, il va dire qu'il est au renouvel. Et là, il dit qu'il était dans le même lieu. Quand le verset 47, 45, ça le dit. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Texte qu'ils ont besoin, c'est souligné, c'est sous le sujet là. Ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Maintenant, là, qui ça nous rend dans l'église? Sans série de monde, enfin, en dans cette congrégation. Sans série de monde, dans nous, pas qu'on est qui bon, pas qu'on est qui ça qui est en tête. Sans question de l'argent. Regardez, apôtre, les recevoir, accepter Christ, enseigner, tout disciple, les fin d'enseigner de la parole, ils n'ont pas fait le cas des richesses de la terre. Parce que ça n'est pas important. Ça n'est pas utile. Comme texte a dit, nous parlons sur lui tout à l'heure, vous avez la nourriture, mais c'est suffit. C'est suffit. Mais qu'on a nos conseils des mondes qui ont couru des machines, qui ont comblé, qui font un paquet de bagages, comblé en série de biens, madame, ça pouvait pour périr. Mais texte a dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils leur partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Pourquoi ils ont fait ça? Qui différence qu'ils gagnent avec eux-mêmes et nous-mêmes maintenant? Qui différence qu'ils gagnent? Pourquoi est-ce qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient selon le besoin de chacun? Pour qui ça a été fait? Et pourquoi maintenant nous entrer de piller frère nous? Nous-mêmes, c'est piller, n'a piller, n'a profité pour souffrir nous. Hein? Pourquoi c'est ça qui est maintenant? Selon le besoin de chacun. Regardez dans acte 5, pour qui ça le dit? Acte 4. Acte 4, le verset 32. Acte 4, verset 32 à la fin. Regardez qui ça le dit dans Acte 4, verset 32 à la fin, chers téléspectateurs. Alors, pour nous, la différence entre l'église primitive et maintenant ceux qui se disent être église de Christ. Pour nous, entre parenthèses, qui ça, la parole de Dieu dit, est-ce que c'est le fondement? Le verset 32, acte 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Frère Patrick pas dit bien pour lui. Ce mari pas dit bien pour lui. Frère Nélio pas dit bien pour lui. Frère René pas dit bien pour lui. Parce qu'elle livrait avec Christ en bas la loi de l'esprit de vie. Et bien elle pas pour lui. C'est pas parce qu'elle voulait bien pas, mais c'est parce qu'elle a obligation, comme disait Paul. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est la nécessité. L'évangile m'impose. Parce que depuis que je l'ai sauvé, mon but, il est posé. Parce que je l'ai sauvé. Alors là, personne n'a pas dit à partir. Qui ça nous est? Ne regarde une voiture sur lui où tu mets ta marche poussière, la pluie a tombé, moi, je suis dans la même assemblée avec lui. En vérité, il va camper pour le bon petit ou libre. Alors, ça, son chrétien. Alors, on voulait dire que ça a sauvé tout. Sans doute, on va dire qu'il a sauvé. Mais le dehors, qui est-ce qui est prêt pour sauver? Qui est-ce qui est prêt pour le retour de Jésus-Christ? Quand nous vivons dans le moment des abominables, nous vivons dans le moment de tout temps abominable. Yon mère épousé pour petit garçon. Mariage garçon, garçon, femme, femme. Alors, Jésus crie à la porte, mais qui est-ce qui est prêt? Qui est-ce qui moun qui prêt? Quand on chute à la sécurité, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sent où aller? Est-ce qu'on sent où aller? Non, qu'on va casser là, on va taper parce que là, pendant 12 ans, après tout, on a passé au point, tout vieux actes qu'on commet. Pour est-ce qu'on prêt? Parce que conscience, on va dire, on va faire, ouais. Est-ce qu'on sent où prêt? Est-ce qu'on va aller? Si Jésus qui vient, qu'on y a. Est-ce qu'on est dans l'évangile? Est-ce qu'on est dans la foi? Hein? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Des Corinthiens 13, 5. Hmm? On peut dire dans la foi. Mais pas oublier, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut gagner la parole de Dieu. Pour gagner la foi. Est-ce qu'on prend? Hein? Vous voulez rester dans la construction tabernacle? Ou bien vous voulez chercher Christ? Hmm? Parce que, par contre, ça passait pour l'église primitive. Par contre, si monsieur était avec, qui ça a été gagné? Mais pourquoi est-ce que il n'a pas dit bien pour vous? Pourquoi toute bagaille c'était pour nous? Voilà. Pourquoi? Parce que 1 Pierre de la salle dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Le verset 3. Parce que l'église,
c'est la maison de Dieu. Et tous les gens qui sont à l'intérieur de cette maison sont frères et sœurs. Et ils ont tout en commun. Alors voilà pourquoi ma vie dans la maison papa avec maman, mais même mon pantalon, femme dans la caméthane. Je vais manger, je vais manger vrai, mais quand c'est même bagaille là, oui. Alors je suis tombé, je vais tout plaire, et puis frère était là pour mourir. Et puis on va attendre Christ pour le vin pour. Mais ça sont jouettes. Ah bon? Qu'on s'en évangélie. Alors, c'est ça, je ne peux pas comprendre là, dans le verset 32 à 4. Ça qui passe pour l'église primitive. Qu'on a retourné ici maintenant, dans l'église maintenant. Yo. Qui ça qui passe maintenant? Depuis yon homme rivé dans yon congrégation salue. Depuis le père, il commence à expliquer tout bien le procédé. Tout ça le procédé. Bon, est-ce qu'elle casse tout le bazar? Parce que grand pile, le monde qui dit que oui, yon chrétien qui est riche. Yon chrétien qui est riche. Tout le monde dit ça. On a eu une comprendre que il vient mélanger l'ancienne alliance avec nouvelle alliance là. L'homme le dit ancienne alliance, on veut dire que dans l'ancienne alliance, Dieu a promis au peuple Israël la richesse matérielle pour venir vivre trôner en Israël comme il était dit à David. Ça c'est pour le peuple d'Israël. Mais pour l'église, Jésus-Christ nous a promis la vie éternelle. Il ne nous a pas promis les richesses et biens matériels comme tout le monde. Avant que vous n'aviez, oui, priez bon Dieu pour moi parce que normalement, et mais je vais acheter un caille. Ça, on va pour non. Est-ce que vous tombez pile pour mourir? Qui sont à faire? Quand on va le cacher? Quand on va courir? Qui nous va prêler? On va dire, mon taille, tombe sous, mon taille, la vie, attendez, non, bien, jugement, pas. Quand on va courir, si Christ retourne maintenant, hein? On va pas temps pour Jésus? Et si le retour n'est qu'on y a là, ou pas le temps pas forcé parce que tu travailles pas intéressant encore parce que tu ne peux pas servir à rien. Hein? Tu ne peux pas servir à rien. Et dans le verset 33, acte 4, attendez ça le dit. Les apôtres, alors, je voulais montrer nous sacrer l'église de Jésus-Christ. Je ne vais pas le moment où nous l'appliquer ou appliquer ou pas l'appliquer, c'est où même. Je ne vais pas forcer ou appliquer rien. Mais seulement, Seigneur, je demande la grâce. Pour lui dire ma divinité et appliquer dans la vie d'abord. Dans sa vie, dans sa possédé, le pire qu'il soit. Parce que personne n'est pauvre, on est riche. Il me parle tout ça dans la parole. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Parce que, nous n'avons pas remettre à Christ tout bon, non? Mais on est occupé, quand on a le temps pour remettre avec Christ. L'homme met toi avec Christ, l'homme quitte Christ gouverné, mais c'est où ben Christ l'homme, où ben Christ oré, hein, où ben Christ moment pas ok disponible, mais y a même y a pas n'importe quoi ça. Dans le verset 34, parce que comme il va dire mais comment nous voilà pour sortir, mon Dieu, comment ceci, mais attends, qui ça Jésus-Christ dit, qui passe ses inquiétudes, Matthieu 10 le verset 26, qui passe ses inquiétudes peut ajouter une coudée sur la durée de sa vie. Ou à peut pour le lendemain. Mais inquiète-toi, est-ce qu'on a à coup d'un petit seconde sous le nombre de temps pour vivre? Depuis qu'il est arrivé pour aller, oui. Ou à peut c'est comme si c'est où mettre tête ou c'est où mettre tête ou mettre tête. Vivre là, c'est où vivre, de porter tête ou. Ou gagner 20 dollars, c'est parce qu'on travaille ou redit qu'il faut jeûner. Point final. Il va bon dire que il va avoir possibilité. Il va pas bon manger. Si on consacre avec, il va pas qu'à poisson. Et ça, on dit. Le verset 34, acte 4. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Maintenant, dans l'église, il y a un paquet de pauvres, un paquet de mal cités, un paquet de veuves qui pauvres. Il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à boire, il n'y a pas qu'à payer. Car même radio, il n'y a pas qu'à mettre. Mais il y a un plaisir pour critiquer. Prends plaisir pour critiquer parce que tout a coup de la dîme. L'argent la dîme dans nos banques, dans une sorte de banque qui est les banques de Saint-Esprit. Bon, ça c'est bug du Saint-Esprit, parce que lui est ton côté, c'est seulement parce qu'il y a une autorité sur lui, peut-être avec petit garçon ou bien petite fille, mon quelqu'un qui proche, parce que son sont des gouvernements de succès, papa a passé après sa petite la prend place. Non, dans l'église chrétienne. Parce que là, la parole de Dieu est claire. Pas de indigent dans mitan yo. Pas de indigent. Maintenant, nous avons un paquet de pauvres, mal cités. Avant vous virer tourner yo besoin bagaille encore ça vous fait est-ce que y a l'banque pour y aller prendre non
Ils ont demandé au poumon de venir. Est-ce qu'on dit cette fois-ci, nous prenons la banque, nous prenons le prêt? Non, jamais. Mais tac, tac, mettre l'argent contre l'argent, ça vous fait. Côté vous fait. Et Vervio, est-ce que Vervio recevra une enveloppe chaque mois? Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de travail. Est-ce que les gens qui sont jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont en Haïti, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de femme?